Et la police? Les flics patrouillent le jour. La nuit, ils ne cherchent plus rien. Même eux sont plus en sécurité. Ils n'interviendront pas. Ils interviendront. Vous avez des entendu. Vous avez quoi d'autre? Ok, je vous envoie les plans du bâtiment. Transmission confirmée. Transfert terminé. Je télécharge les fichiers. Je vais tout extraire. Je reconfigure et je réessaye. Le canal est dégagé, tu peux y aller. Synchro terminé. Chargement en cours. Briggs, ça y est, tu es prêt? J'y travaille. D'habitude, j'ai un peu plus de temps avant de démarrer une mission. La CIA n'est pas assez réactive. On doit agir vite pour une opération comme la nôtre. Bien compris. J'aurais aimé mieux me préparer. Tu t'y feras. Des nouvelles de l'opération sur laquelle tu travaillais? C'est classé haute priorité, c'est de plus en plus urgent. Des stations d'écoute au Cachemire ont capté des infos sur une opération de contrebande d'envergure. Qu'est-ce qui transporte de si important? Apparemment, une bombe. La source est inconnue, mais si jamais c'est... Alors il faut qu'on intervienne. Le réseau est basé à Kargil, à la frontière pakistanaise. Ils tiennent la police locale. On se passera de l'aide de la police. On va frapper à la source. C'est tout pour l'instant. C'est un plaisir de travailler avec vous, chef. Extraction du site web activée. Pousse-toi.
Un manifestant a été blessé ce matin devant une installation militaire américaine à Ansbach, en Allemagne, par une sentinelle qu'il a pris pour une menace potentielle. Günther Schmidt, 34 ans, a reçu 2 balles dans la jambe alors qu'il approchait de la base malgré les avertissements. Toutes les bases américaines sont en alerte maximale depuis l'attaque de la Blacklist. Qu'est-ce qu'on a à Benghazi ? Mon contact est dans une planque de la CIA. Ils tiennent un type qui a des infos sur Guam, mais on ne pourra pas lui parler avant qu'ils aient fini. Comment ils l'ont eu ? C'est pas eux, c'est lui qui les a contactés. Et comment on est sûr que c'est pas un cinglé qui veut faire une blague débile ? Vous avez autre chose à me dire ? Le type s'appelle Andriy Kobin, ça vous parle ? Attendez, on connaît ce type ? Ce qu'il faut qu'on sache, c'est pourquoi un marchand d'armes va se livrer à la CIA juste après l'opération de Guam. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger ? Tu peux tout te permettre maintenant, Briggs. Tu fais partie de l'équipe. C'est compris. J'ai raté un épisode ? Il est notre seul lien avec les ingénieurs. On ne peut faire confiance à personne d'autre. Qui est Andriy Kobin ? Andriy Kobin a prétendu avoir tué ma fille pour que quelqu'un fasse pression sur moi. Comment il a fait pour rester vivant ? Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait, Sam ? Montre-moi la planque. Sérieusement ? C'est un quartier pourri. Je sais. Bizarre, hein ? D'habitude, au Moyen-Orient, la CIA met ses agents en plein centre, bien en vue. Ça suffit. La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. Dès que tu m'envoies le signal, je fais sortir mon contact. Ensuite, toi, tu fonces sur Kobin. Sur un écran, ça semble toujours facile, Grimm. Sam, clarifions les choses. On parle bien d'extraction, on ne veut pas le tuer. Briggs, montre-moi les positions de surveillance. Les meilleures positions de tir sont là et là. Parfait. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous prouve ou je dois abattre une cible. Charlie, prépare-nous un moyen de transport, ok ? Un truc discret, une camionnette. Ça marche ? Tu ne m'as pas répondu, Sam. Toi, tu t'occupes de trouver un lieu d'exfiltration, par ici. C'est clair pour vous ? Allez, on se prépare, vite ! Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi. Grimm dit que tu dois garder Kobin en vie, donc rien de létal. Je recommande des fumigènes et des aveuglantes, mais pas de frag. Thank you.
Karim, la situation. On a un problème. J'essaie de joindre mon contact depuis que t'es arrivé et il ne répond pas. Briggs, tu as un visuel sur le refuge ? Je viens d'arriver et ça sent pas bon. La place est infestée de miliciens. J'arrive sur la place. Les milices bloquent les accès de devant. Sam, tu veux que je change de position? Je te retrouve en bas. Prends en visuel le coin sud-ouest de la place. Reçu, j'y vais tout de suite. Grimm, il faut à tout prix le contacter. Préviens-moi. Reçu. Dans l'allée. Shukran, Habibi. Des nouvelles de ton contact? Négatif. La milice est partout, Sam. Je savais que ça allait mal tourner. Briggs, au rapport. Je suis en route, Sam. Attention, c'est truffé. Tranquille le plus longtemps possible. Je vais vers l'entrée latérale. Au moins une tonne. Ça va, arrête un peu de te plaindre. Connard. Chaud. Je le vois. سامع صوت؟ حصل الثاني. ليه ما تفتح الحاجة؟ ما اشوفك على الثاني.
Attention, c'est truffé de miliciens, ça va faire du bruit. Restons tranquilles le plus longtemps possible. Je vais vers l'entrée latérale. Il est resté chez lui, il aurait dû continuer à se gaver comme un goré. Il a fallu qu'il vienne ici. En général, quand tu te retrouves sur le chemin du patron, tu finis les pieds devant. Je suis sûr que ce mec ne tenait pas particulièrement à ce loser de copine. Si on pouvait lui demander, il serait pas mort. Si on pouvait lui demander, il serait d'accord avec toi. T'es un marrant, toi. Combien de temps on doit attendre? Jusqu'à... Cosm! Charlie, j'ai trouvé une clé USB. Super, j'y jetterai un œil pour voir si on peut en tirer des indices. Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible? Rentre dans la pièce à ta droite, va vers la fenêtre et franchis le rebord. Bien joué. Thank you.
Il y a plusieurs cibles devant toi. Une sur le balcon. Une approche furtive est possible. Rentre dans la pièce à ta droite, va vers la fenêtre et franchis le rebord. Bien joué. Quelqu'un l'a tué. Un de nos hommes est tombé. Je suis en position, Sam. Aucun signe de notre contact? J'en sais rien. Bien sûr. Il a dû sauter. Tu as fait parler ton prisonnier? Ouais. Ouais. Non, personne n'est encore venu le chercher. Hé, hey, attends un peu. Laisse-moi me faire hack. T'as bien le chagrin que t'es, on a pas le chagrin. Anna, les deux bartelles, la chagrin, il y a barché. Je travaille avec des demeurés. On n'a rien appris de nouveau, il ne veut pas parler. Oui, ils sont en train de tout fouiller. Pas de soucis. Wallah, mais on est qu'à ce قنبلة! انزلوا على الأرض!
C'est bon, le paquet est sécurisé. Bien sûr. C'est pas lui. Tu as confirmé que Cobin était là, Briggs. C'est le bon endroit, le bon bâtiment. Je supposais que... Pas de position quand je suis sur le terrain, compris ? Sam, je t'écoute. Ton contact s'est fait avoir, il est mort. Il y a d'autres miliciens en route, je te conseille de bouger. Ok, trouvez-moi une sortie. Et tout de suite. Donne-moi une minute. Ok, c'est pour moi. Branche le téléphone à la montre terminale. Je peux craquer cette daube en moins d'une minute. Ok, je suis branché. Ok, ouais. Allez, Charlie. Fini. Waouh, il y a un paquet de porno là-dedans. On cherche un lieu. D'accord, j'ai tracé l'appel. J'envoie ça sur ta montre terminale. Wow, ça craint. C'est un poste de police. Briggs, on évacue tout de suite. Bien sûr. Transport ennemi avec des troupes, une bonne douzaine. Je bouge, je couvre ta sortie. Bien sûr. Les morts. Chop. مين هون؟ موجود هنا.
J'étais persuadé. Mmh. Contact! Recherchée par l'Anglie. Si tu la captures, on la rapatriera. Sécurisé. Les autorités ont été prévenues. Quel est le meilleur chemin jusqu'à Cobin? Faut que tu descendes au niveau de la rue. Compris. L'ampoule à griller. Thank you.
Le poste de police est au coin de la rue. Bien sûr. Briggs, quoi de neuf pour toi? Je suis pas loin du site. J'ai repéré un toit à 200 mètres au sud du poste de police. Je vois le bâtiment et la rue juste en face. Calme-toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Ah.
Et salut. Linda, Ada. Salut. Et toi? J'entends quelqu'un par là. Vérifie que je ne suis pas suivi. Est-ce que tu as pu localiser Cobin? Il doit être dans la salle d'interrogatoire, dernier étage au sud. Brix, retire-toi. Prends la camionnette et va au point d'extraction. Bien fait. Ok, j'y vais. لا أنا ما قلتش كده مش مهم مفيش أعذار تاني إن شعب ليبيا وكل شعوب الشرق الأوسط اتفقوا من الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرهم الغربي المقدر على سياستنا وثقافتنا. Dans le poste de police et pour y placer leurs ordinateurs. Branche ta montre terminale si t'envoies un, tu récupéreras des données. Parle-moi, Cobin. Pauvre merde. Parle, maintenant. On recommence. Pourquoi es-tu allé voir les Américains? Je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir avec vous. Rien, je le jure sur ma... Tu dis qu'on n'est pas assez important pour être balancé, c'est bien ça? Non, non, c'est pas ce que je dis, non, non, non. Non, 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 ce que je veux dire, c'est... Tu parles beaucoup trop. Mais je pensais que vous vouliez qu'il... Ne pense pas, ça crée des problèmes. Ok, ok, j'aurais tout dit. Ok, merde, ok. J'ai trouvé Cobin. Il est vivant? Pour l'instant. Putain, merde. Ne tue pas, ne tue pas. Bordel de merde! Merci. Merci. Vous êtes qui? La CIA? Oh merde, c'est pas vrai, j'y crois pas! Il cherche ici à propos de Washington! Ferme-la. Sam, qu'est-ce qu'il non, 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 non! Pas ça!
T'es là pour me sauver? Je suis là pour sauver ce que tu sais. Assis. Sam, je sens que ça va barder. Ennemi en approche de ta position. Le collier est sécurisé, Briggs. T'en es où? J'arrive avec le van. Oh merde, il est là pour me sauver. Bouge. Vite. Aïe! Allez. Tu me feras pas de mal, hein? Allez. Tu me feras pas de mal, hein? Tu plaisantes, j'ai même pas de chaussures. Bouge. Qu'est-ce que tu fais? Attrape ça. Quoi? Mais pourquoi? Fais-le. Ah, putain de merde! Briggs, ça y est, on arrive. Ah, est-ce vraiment nécessaire? Ah. Parle. D'accord. Il y a 6 semaines, un client m'a contacté. Il voulait des armes légères, des Katyusha, un lance-missile, enfin, tout le tralala. Et il était prêt à payer cash. Tout. Et une vraie bonne affaire. Ouais. Trop bonne. T'as fourni des armes à Blacklist Zero? Eh, je fournis beaucoup de monde, ok? D'habitude, mes clients n'attaquent pas vos bases. C'était qui? Tout ce que je sais, c'est qu'ils parlaient de l'attentat. De l'attentat de l'ambassade de Vienne, et qu'ils en étaient vraiment très fiers. Des centaines d'innocents sont morts dans cet attentat.
Ouais, sans blague, c'est bien ce que je dis. Ce type est un monstre, un putain de démon, ok? Et il laisse rien au hasard. Putain. Semaine de merde, pas vrai? Ce mec... Quoi? C'est qui, ce mec-là? Donc tu t'es livré pour être protégé? Et pas pour que des cons comme vous me butent pour Guam, ouais. Briggs, que dirais-tu de stocker notre nouvelle cargaison? Avec plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Grim, toi et Charlie, vous allez essayer de trouver des infos sur le mystérieux client de Cobin. La chasse est ouverte. Salut. Salut. On a un trafic des drones. On a un trafic important confirmé à l'est de l'Irak, à 80 km.